vous demande d'accueillir monsieur Jean-Louis Misicaggio, maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette édition 2014 de l'Open World Forum. Vous savez que je suis non seulement un habitué de l'Open World Forum, mais également j'ai eu le plaisir d'être à l'origine de la naissance de cette manifestation. C'était en 2008 lorsque j'ai été en charge de la délégation à l'innovation et à la recherche. Et je dois dire que je suis très satisfait de voir cette manifestation grandir d'année en année et prendre de plus en plus d'importance dans le domaine du libre. Alors le thème sur lequel on m'a demandé de parler, c'est la place de l'open source dans la politique d'innovation du Grand Paris. Mais avant d'aborder le sujet peut-être du Grand Paris, à la fin de mon intervention, je voudrais d'abord essayer de montrer que la ville de Paris a mené une politique à la fois durable, cohérente en matière d'open source. L'open source, c'est bien sûr une technologie, mais c'est aussi, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, un état d'esprit et une vision globale de l'innovation et du progrès technique. Et de ce point de vue-là, je pense que dès 2001, la ville de Paris a choisi d'avoir une politique open source, et elle l'a fait dans tous les domaines et de façon concertée et responsable. En 2001, on a commencé par le développement d'un logiciel que beaucoup d'entre vous dans cette salle connaissent, qui s'appelle Lutèce, pour les sites internet des mairies d'arrondissement, qui est le fruit d'une demande politique de réaliser un outil de gestion de sites internet fondé sur l'utilisation du libre. Avec la réalisation et le développement de ce logiciel, Paris a mis en pratique une stratégie s'appuyant complètement sur le monde du libre, utilisation d'outils libres éprouvés, diffusion à la communauté et soutien de celle-ci, développement ouvert et participatif, mutualisation, soutien à la maîtrise technique et motivation personnelle des participants. Et Lutèce a eu un bel avenir, puisque conçu au départ comme un outil de gestion pour les mairies d'arrondissement, il a été aussi un socle pour réaliser des sites, des services, des applications, notamment l'intranet Intra-Paris en 2003, le site Paris.fr, la version 2 du site Paris.fr en 2005, toutes les applications métiers spécifiques de la ville depuis 2010, c'est dire la plasticité de ce logiciel, que ce soit la gestion des équipements sportifs, des cimetières, des primes, des taxes, et puis les services innovants pour le public, notamment toutes les applis. Et je pense plus particulièrement à une appli sur laquelle je reviendrai, Paris dans ma rue, en 2013, ou encore le portail internet des fournisseurs de la ville, fin de 2013. En 2002, nous avons versé ce logiciel Lutèce dans la communauté du libre. Ça a été une délibération du Conseil de Paris, peut-être une des premières délibérations municipales sur le sujet du libre. C'est une délibération qui date du 23 septembre 2002. Et je crois que Paris a été la première ville en Europe à prendre une telle initiative. En 2004, nous avons lancé une étude économique sur la migration vers le libre de l'ensemble des dispositifs parisiens, à partir d'une expérience qui a été celle de la ville de Munich. Et nous avons lancé également une réflexion sur l'articulation de notre politique open source avec le schéma directeur informatique. En 2005, également à travers une délibération votée en Conseil de Paris, nous avons adopté un cadre d'action reposant sur des principes applicables aux achats: l'ouverture des appels d'offres, l'intégration, l'interopérabilité, un programme de 3 ans, le choix d'une solution open source à qualité égale par rapport à une solution propriétaire, l'intégration ciblée, l'évaluation systématique, et puis l'adhésion à l'association Adulacte, j'y reviendrai également, et puis le versement de 7 logiciels de la ville dans la communauté open source.
On a également, en 2008, passé une délibération qui autorisait le versement de notre logiciel élaboration et passation des marchés, vous savez, les marchés publics, c'est un truc assez compliqué, dans la communauté open source par délibération du Conseil de Paris. Et là aussi, c'était une nouveauté puisque c'était le premier logiciel métier à être versé dans le libre. Et en 2012, nous avons passé une délibération autorisant le versement du logiciel ODS, construit sur l'UTES, pour la gestion des documents de séance du Conseil de Paris et des conseils d'arrondissement, outil dont nous servons quotidiennement, nous, les conseillers de Paris, pour savoir quelles sont les délibérations qui doivent être votées lors des prochains conseils de Paris ou des prochains conseils d'arrondissement. Nous avons également, en 2013, versé le logiciel CEP, construit également sur l'UTS, pour la gestion des concours et des examens de la ville de Paris. C'est vous dire si on a travaillé en profondeur, de façon systématique et en traitant pratiquement tous les champs d'intervention de la ville. À côté de ça, bien évidemment, nous avons mené une politique de soutien à la communauté open source, avec d'abord Paris Capitale du Libre, puis cet Open World Forum, dont nous sommes à la fois, je dirais, l'un des cofondateurs et l'un des plus fermes soutiens depuis sa naissance. Si vous voulez, nous considérons aujourd'hui que nous utilisons des logiciels open source pour contribuer à construire un système informatique plus interopérable, plus indépendant, à la fois en termes de normes et de standards, moins coûteux et plus partagé. Et pour ce faire, et c'est aussi une autre brique de notre politique open source, nous avons des clauses juridiques des marchés qui ont été adaptées pour que les appels d'offres prévoient systématiquement la possibilité d'utiliser des logiciels open source. Au-delà, nous avons, comme je l'ai déjà dit, participé à l'activité de l'association Adulacte. Elle a présenté le logiciel LUTES à d'autres acteurs publics. Elle anime le club d'utilisateurs EPM, c'est-à-dire élaboration et passation des marchés. Et donc la ville de Paris est un acteur important dans la communauté open source au niveau des collectivités locales et des collectivités publiques. Au-delà, et cela vous le savez, j'ai eu l'occasion d'en parler lors des précédents forums, nous nous sommes lancés très tôt, là aussi, dans une politique d'open data. Nous avons été parmi les premiers, en tout cas en France, à libérer des jeux de données de façon extrêmement importante. Je pense notamment à tous nos jeux de données de systèmes d'information géographique. Nous avons également, et donc nous avons aujourd'hui un site que vous connaissez sans doute, qui s'appelle data.paris.fr, avec une participation de start-up qui nous aident à faire les API qui vont bien pour que les utilisateurs puissent utiliser ces données dans de bonnes conditions. Il ne s'agit pas de balancer des fichiers PDF et de dire « débrouillez-vous ». Ensuite de cela, nous avons lancé une réflexion sur les clauses open data dans les appels d'offres de la ville et dans la passation des marchés de la ville, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque nous confions une délégation de service public à un acteur privé, que ce soit pour faire des vélos en libre service ou des véhicules électriques en libre service ou de l'éclairage public, s'il n'y avait pas de clause open data, on se retrouvait dans une situation juridique embarrassante puisqu'il y avait en fait partage de la propriété des données entre la ville et le délégataire. Et parfois, d'ailleurs avec des arguments solides, le délégataire ne voyait pas d'un très bon œil le fait de libérer les données parce qu'il considérait que cela donnait une information sur à la concurrence qui était un désavantage pour lui. Et donc nous avons fait voter par le Conseil de Paris une délibération qui dit en substance qu'à chaque fois qu'il y a un marché ou une délégation qui se traduit par la production de données, ces données sont en open data, je dirais par défaut, sauf si il y a des raisons de sécurité ou de protection la vie privée qui vont à l'encontre de cela. Et donc cette politique d'open data est une politique extrêmement ambitieuse. Nous avons
pour cette mandature des objectifs, notamment de libération des données financières et budgétaires. Et donc, nous allons continuer à mener cette politique de libération de données. Et j'aurai l'occasion de dire un mot sur la possibilité d'étendre cela à l'échelle de la métropole. Et puis, il y a le sujet ville intelligente, le sujet Smart City. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup sur ces sujets ces derniers temps. Je voudrais juste marquer l'importance de la relation qu'il y a entre l'open source et la Smart City, notamment sur deux aspects. Un premier aspect qui est l'aspect Smart Grid. Excusez-moi, j'argonne beaucoup en anglais, mais appelons ça réseau intelligent, ça sera plus simple. Si jamais on veut pouvoir interconnecter les réseaux, et notamment les systèmes d'information des réseaux, que ce soit les réseaux de chaleur, les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, et les réseaux de transport ou les réseaux de signalisation en surface, ou les réseaux de transport public, eh bien, il faut que ces réseaux soient interopérables. Et donc, il faut que les outils qui permettent de gérer les systèmes d'information de ces réseaux soient les plus ouverts possibles. Et nous savons que, de ce point de vue-là, l'open source a quelques avantages par rapport au logiciel propriétaire. Et donc, il est clair qu'il faut une politique... open source résolue si nous voulons vraiment réussir le passage à la Smart City ou à la ville durable. Il en va de même pour les applications. Que ce soit les applications en matière de déplacement. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une phase où nous sommes en train de tâtonner pour les applications multimodales. Chaque grand acteur du marché, la RATP, la SNCF, le STIF, Vélib a créé son appli. Mais nous, en tant que responsables de l'intérêt général, nous cherchons, à travers par exemple des ateliers ou des hackathons, comme on a eu l'occasion de le faire l'année dernière avec Move in the City, nous cherchons à ce que les données puissent être mises dans un pot commun de façon à ce que les applis soient vraiment multimodales. Et soient les plus souples, les plus agiles possibles. Je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure dans ma rue. Dans ma rue est un Fix My Street particulièrement élaboré, puisque avec cette application, vous pouvez signaler tout dysfonctionnement dans la ville avec une photo et la géolocalisation permettant et le système d'indexation permettant de signaler l'événement ou le problème de façon extrêmement rapide. Lorsqu'il a été question de végétalisation dans les quartiers, on s'est servi de la même application pour proposer aux gens de faire des propositions en matière de végétalisation locale avec un succès tout à fait important. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'animer la communauté à travers des ateliers, à travers des meet-up, à travers des hackathons, pour que justement ces données libérées soient véritablement utilisées. Et j'ai bon espoir que nous soyons capables, d'ici quelques temps, d'avoir une application multimodale de recommandations de trajets qui tiendra compte de l'ensemble des modes de transport urbain à Paris. Ce qui me conduit d'ailleurs à la question du Grand Paris, parce qu'une application multimodale à Paris, c'est bien. Une application multimodale sur le Grand Paris, ce serait encore beaucoup mieux. Certains d'entre vous savent que j'ai déposé un vœu au STIF demandant une accélération de la politique d'open data et une clarification de cette politique d'open data. Et donc, dès l'année prochaine, nous aurons normalement une stratégie et une libération des données en 2016. Je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir une politique open source du Grand Paris, tout simplement parce que nous allons devoir articuler entre eux des systèmes d'information très hétérogènes. Pour que les systèmes d'information géographique soient compatibles, eh bien, il est clair que l'open source, c'est quand même la meilleure solution pour que
l'intégration des données et la constitution de bases de données métropolitaines soient faites à la fois rapidement et sans surcoût, il va falloir réfléchir à des solutions qui soient des solutions open source. Et donc, je tiens à vous annoncer une chose qui me paraît importante. Je proposerai à la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, qui va travailler en 2015 et pour préparer justement la création de cette métropole au 1er janvier 2016, je leur proposerai la constitution d'un groupe de travail spécifique sur le domaine de l'open source à l'échelle du Grand Paris, de façon à ce que lorsque la métropole sera créée, elle puisse avoir déjà une doctrine sur un sujet qui me paraît essentiel pour la construction de la métropole. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite d'excellents travaux et à très bientôt, sans doute à l'année prochaine. Merci.